y a des questions qui se posent aujourd'hui et à tout moment, qui mettent en question notre concept de l'humain. Et évidemment, à partir du moment où le docteur Frankenstein va réussir, et il semble qu'aujourd'hui tous les moyens techniques soient quasiment au point, c'est-à-dire le problème c'était de ressouder les moelle épinière. Et maintenant il y a des techniques qui vont le permettre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est une opération qui pourra se démocratiser, disons. Mais ça change complètement la conception de l'humain, et on peut évidemment le déduire en lisant mon livre, comprendre les enjeux. Je fais comme si l'opération avait réussi d'emblée. Elle a réussi, et mon personnage, parce que c'est un roman, eh bien, va se retrouver avec un autre corps. Avec un autre corps, il sort du coma, et il a un autre corps, il va s'interroger sur cet autre corps. Il y a un cerveau cœliaque, un cerveau du ventre, avec des centaines de milliers de neurones qui travaillent. Il y a une mémoire du corps. Et qui est qui? Qui est qui? Et on sait bien, dans la greffe, que le greffon, c'est la partie la plus petite. Et la tête, au fond, c'est le greffon. Et donc l'influence du corps sur la tête va être immense. Et c'est peut-être le corps qui va porter cette tête. Et c'est ce que... Il y a tous ces enjeux-là, j'imagine... mon personnage, qui a vécu un certain nombre de traumatismes, eh bien, qui tout d'un coup veut, et avec ce corps, il veut, et découvre une cicatrice, un triskel, un signe qu'on voit sur le drapeau en Sicile, mais qui vient des Celtes, et qui, à partir de ce moment-là, veut savoir de qui il a hérité, qui il est maintenant, et va à la recherche de ce corps, de qui était ce corps. Et évidemment, sur tous les plans, tant psychologiques, de dissociation de l'identité sexuelle aussi, eh bien, toutes ces questions vont évidemment se poser avec en fond quelque chose de plus fondamental, qui est celle, évidemment, de ce qu'est l'humain. C'est quoi l'humain? C'est fait de quoi l'humain? Est-ce seulement un espace symbolique du langage? Ou est-ce aussi tout un fond pulsionnel, instinctuel, qui va interagir? Comment on se sent soi-même? C'est quoi l'identité ou ce qu'on appelle l'ipséité, le sentiment intime? Est-ce que cette ipséité, ce sentiment intime va demeurer? Ou est-ce que tout d'un coup, mon personnage, enfin l'opéré, va se trouver complètement dépossédé et complètement erratique, et dans un monde qui va être frappé d'étrangeté, parce qu'il n'aura plus du tout ses repères? C'est toutes ces questions que je pose dans Corps des Érables.